Léon Bloch est né à Wintzenheim en 1849. Il était marchand de grains. Son père, Abraham Bloch, était boulanger et connu sous le nom de Bäcker Fromm. Wintzenheim est un village au pied de la montagne où il y a une choule du 19e siècle. Il y avait une ancienne communauté juive. Sur la montagne, il y a un château en ruine, le Hollandsburg, où un rabbin du Moyen Âge s'était réfugié. Après l'école primaire à Wintzenheim, mon père va au lycée à Colmar. Ma grand-mère Octavie voulait qu'il devienne rabbin et il commence des études au séminaire Hildesheimer à Berlin. Mais il abandonne cette voie et fit des études de mathématiques et de sciences nat à Strasbourg. Léon Bloch se marie en 1880 avec Octavie Guggenheim, née à Giromanie, et ils auront 6 enfants, dont mon père Myrtil. La famille Bloch habite dans la rue principale, une maison avec un jardin pour la souka. En 1904, il assiste au congrès sioniste à Bâle, où il y eut de grandes discussions au sujet de l'Ouganda. Après 1918, il a été prof de maths au lycée Kléber à Strasbourg, jusqu'en 1939. Mon grand-père Armand Lévy est né à Itterschwiller et ma grand-mère Lucie Gerschel est née à Wissembourg. Ils auront une fille unique, André, ma mère. J'aimais les vacances à Wissembourg chez ma grand-mère Lucie. Elle était calme et souriante. Wissembourg est une jolie petite ville et j'aimais bien me promener à vélo dans ses petites rues. Ma grand-mère avait une grande maison au centre de la ville. Au rez-de-chaussée, ils avaient un magasin de tissus assez grand. Ma grand-mère était assise à la caisse. 5 ou 6 vendeuses servaient les clientes, des dames de Wissembourg ou de la région. Comme le marché était devant la maison, on voyait des paysannes en costume alsacien et même des petites filles en costume. À Wissembourg, il y a une rivière, la Lauter. Nous allions nous y baigner et c'était assez froid. L'eau venait de la montagne. Ma mère avait de beaux jouets avec lesquels nous avons joué mes frères et moi. Maison de poupée, lanterne magique. Après ses études, dans une école de commerce à Landau, elle se marie avec mon père en 1920. Ils habitent avenue de la Forêt-Noire, puis rue Herder en 1926. Mon père faisait partie des premiers groupes sionistes d'Alsace. Il s'occupait du Keren Kayemet et Keren Hayesod. Ma mère faisait partie de Galei, groupe sioniste féminin qui est devenu la Vitzo. Mon père avait un caractère énergique. Il aimait raconter des blagues et en connaissait beaucoup. Je suis née en 1921, Jojo en 1922 et Léon en 1926. Une chose importante pour moi a été le scoutisme, où je suis entrée à l'âge de 11 ans. Il y avait plein d'activités, de sorties et de camps. Jojo, après sa bar mitzvah, est allé aux éclaireurs puis aux routiers. En 1939, ils avaient fait le tour du lac de Genève à vélo.
Lundi matin, le roi, la reine et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Mardi matin, le roi, la reine et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti.
אין דרך לנטוס יומין ושמאלה, ותראה אוסון אשמלך אדוני, ותרבב סתחז בילום, ויחחב בילום, ויחס אוסון במקל, ויפתח אדוני אספי אוסון, ותאמר לבילום, מאוסיסי לחור. כי כיסוני זה שלוש גולים. אוויר הרים צלול חיין וריח אורנים, ניסה ברוח ארבעים עם כל פעמונים, ובתדמת אילן ואבן שמויה בחלומה, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה, ירושלים של זהב ושל נחושת ושלו, הלא לרחש שיר אני, כי לא ירושלים של זהב ושל נחושת ושלו, הלא לרחש שיר אני, כי לא צבעים ירדו אליי ביום אביב נעים, הביאו לי במתנה ריחות שדה וקצת דווקא וגם דרישת שלום חמה מקרן שמש מתוקה. אז בוא אליי פרפר נחמד, שב אצלי על כף היד, שב תנוח אל תבחר. שהתעייפו ירדו ישר אליי, הם נחו קצת שמעו סיפור וגם שתו טיפה של צור, ואז כולם פרחו להם פשוט כי בא להם לעוף. אז בוא אליי פרפר נחמד, שב אצלי על כף היד, שב Le ciel est bleu, mon garçon, que les fleurs parfument le vent. Siffle un air joyeux, mon garçon, prends ton sac et va-t'en. Siffle un air joyeux, mon garçon, prends ton sac et va-t'en. קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי שלום. אני שר ורוקד לי, כמעט בעצמי, בתוכנית. מה פתאום? אני שר בעצמי, ורוקד עם עצמי, ומספר סיפורים לבד. מוחה גם כפיים למי?